Pour moi, c'est comme un jeu qu'on installe. Et à l'intérieur de ça, la question primordiale, c'est où je vais. Dédale dehors, c'est un temps de rencontre avec le choix. C'est vraiment un espace de délimitation d'un avant-après, avec du coup ce petit espace des montants de porte, ce micro-temps entre le avant et le après. Le moment où tu traverses les seuils de la porte, l'étincelle en fait, c'est quoi qui te fait décider de traverser la porte ? Même s'il y a des moments où on est seul face à nos choix, il y a beaucoup cette chose de l'entraide et du groupe qui nous porte. Il y a 4 portes et elles servent à créer de nouveaux espaces, toutes les 4 reliées ensemble. Et comment tu traverses cette porte-là? Où est-ce qu'elle te ramène? Et quel espace tu traverses? Où est-ce que tu te retrouves une fois que tu as traversé cette porte-là? C'est venir vraiment planter un instant des poésies. On atteint physiquement aussi une limite qui fait que la notion de choix, elle passe plus forcément par la tête, mais vraiment très instinctivement par le corps, par l'émotion, dans un rapport de temps beaucoup plus court. La pièce, chaque fois qu'on la traverse, je découvre de nouvelles choses. Ce que je découvre à chaque fois que je le fais, c'est qu'à la fin, il y a une part de libération. Un vrai lâcher-prise à la fin qui fait que dans le collectif à quatre, c'est très joyeux. Et à l'individuel aussi, il y a un truc qui lâche, qui tombe. J'aimerais que ça puisse vraiment se transmettre.